Imhotep tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo tuto Saint-Valentin. Je vous avoue que je ne suis pas sûre de pouvoir la poster avant le 14 parce que j'ai été pris par le temps, j'ai eu pas mal de choses à faire. On s'en va en vacances donc voilà, j'ai puis mon ordinateur, le lecteur C est complètement plein et j'arrive pas à enlever de l'espace pour pouvoir enregistrer mes vidéos et les transformer. Bon bref, voilà, petit problème technique. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons faire des fortune cookies. Donc, ce sont les petits gâteaux avec des messages. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour cette recette? Il vous faut du beurre, du sucre glace et du sucre normal, de la farine, un blanc d'œuf, un petit peu d'arôme de vanille. Et bien sûr, il vous faut des petits papiers avec des petits messages. Alors moi, je me suis appuyée sur la recette d'un blog que j'aime beaucoup qui s'appelle Bonjour Darling. Je vous mets de toute façon son lien en barre d'infos. Et je vous mettrai aussi les petits papiers. Donc il y en a certains qui viennent d'ailleurs de son site et d'autres que j'ai trouvé ailleurs. Donc moi, je peux vous donner comme idée, sans toi, je suis comme un hiver sans raclette. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a un jour sans toi, c'est comme un café sans touillette. Sans toi, je suis comme un été sans tapas et vin rouge. Bon, voilà, bref, c'est plein de petits trucs super sympas. Alors, on va mélanger le blanc et les sucres en fouettant, mais sans les monter, juste histoire que ça soit légèrement mousseux. Voilà. Vous rajoutez le beurre, alors que j'ai légèrement fait fondre. Ajoute la farine, mais que l'on va tamiser. Maman, c'est un étoile. C'est bien, mon amour. Et j'avais oublié, il faut rajouter 1 centilitre d'eau. Nous rajoutons pour finir quelques gouttes d'extrait de vanille. Donc ça donne ça. Et maintenant, nous allons faire des petits cercles, à peu près gros comme ça, voilà. Voilà, j'ai fait mes petites galettes. Et je vais les enfourner 10 minutes à 190 degrés. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on prend un petit mot doux, on le met au milieu de son gâteau. C'est très très chaud. On replie. Vous lavez, vous prenez un bol et vous pliez au bol comme ça pour donner la fameuse forme des fortune cookies. Et vous refaites la même chose pour tous vos gâteaux. Donc voilà ce que ça donne une fois les fortune cookies réalisés. Alors je vous avoue qu'il faut un petit peu s'entraîner pour choper le coup de main. Parce que les bords brûlent assez vite en fait et on a du mal à les laisser se coller. Mais le résultat est plutôt pas mal. Pac-Man, on dirait c'est trop ça quoi. Voilà, mais sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine, bye bye.